Avant de démarrer, je tenais à m'excuser pour la vidéo de dimanche précédent. Comme vous avez vu, le format est totalement différent. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des extraits de vidéos avec le son et l'image, on a malheureusement dû mettre un écran noir avec les sous-titres, la description écrite de ce qui se disait dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo, elle était super. Franchement, c'était la meilleure pour moi qu'on avait fait. Elle était terminée de monter et au moment où je l'ai publiée, je n'ai vu qu'à ce moment-là que TF1, censurait la vidéo. En fait, il y avait un droit à l'image et tous ceux d'entre vous qui résident en France et dans les dom-toms n'auraient tout simplement pas pu voir cette vidéo, le contenu aurait été bloqué parce qu'il est au droit exclusif de TF1, autant le son que l'image. Donc on a dû au dernier moment pour tout de même vous sortir un épisode dimanche, trouver une solution. C'est celle-ci qu'on a trouvée. J'ai vu que la vidéo avait fait moins de vues, moins de réactions que les précédentes. Il y a tout de même eu beaucoup de commentaires et de soutien. Donc voilà, je voulais vous en remercier et m'excuser pour ce format un peu différent et du coup un peu moins qualitatif. Bon, maintenant, démarrons notre vidéo. Bonjour à tous, comme chaque dimanche 18h, on se retrouve pour un nouvel épisode d'analyse de diète. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui se demandaient qui est cet homme qui nous accompagne à chaque épisode depuis plusieurs semaines, eh bien, vous allez le découvrir aujourd'hui si vous ne le connaissez pas encore. Il s'agit de Ronnie Coleman, sans doute le bodybuilder, en tout cas l'un des bodybuilders les plus populaires, célèbres de tous les temps. Aujourd'hui, on va voir une de ses journées type de prise de masse au moment où il était au summum de sa carrière. Bien sûr, avant, je vais faire plein de disclaimers et de nuances parce qu'on va pas analyser la diète de quelqu'un de lambda très loin de là, mais d'abord on y va générique. Tu m'en veux pas, je vais dire un petit peu de mal de toi, mais tiens, je te fais un petit bisou sur le front, à la Barthès. Ça va bien se passer, t'inquiète. Allez, on y va. Avant toute chose, petit disclaimer, bien sûr. Cette fois, je connais Ronnie Coleman puisque c'est une de mes idoles de jeunesse, disons, et un de ceux qui m'a fait tomber amoureux du bodybuilding, de la musculation, avec Jay Cutler, bien entendu. Mais il s'agit d'un personnage qui est tout sauf lambda. Premièrement, de par la génétique. Vous devez comprendre qu'ici, aucun de vous qui ne va regarder ne peut se comparer à Ronnie Coleman, ni maintenant, ni sûrement malheureusement dans 10, 20 ou 30 ans, et ce, même en prenant tous les stéroïdes du monde que vous voulez, en vous entraînant, etc. Il fait partie des gens qui ont une génétique hors norme et qui était prédestinée à faire ce sport. Bien sûr, ça n'enlève rien à la discipline, à l'abnégation, au sacrifice. D'ailleurs, on voit qu'il a eu de nombreux problèmes de santé au niveau du dos ensuite et encore maintenant. Voilà, mais vous devez comprendre que l'alimentation qu'il a est forcément corrélée par rapport à sa masse musculaire, à son métabolisme, à son passif, à la prise de produits dopants bien évidente et sûrement à des dosages élevés, mais on n'en sait rien, c'est de la spéculation et on s'en fiche, mais aussi à sa génétique. Et ça va être très intéressant. Même si vous ne faites pas de bodybuilding, de musculation, de comprendre le pourquoi du comment. Parce que ça vous permet d'élargir votre champ de vision au niveau de la nutrition, de voir qu'il n'y a pas qu'un seul prisme de lecture qu'est la santé, mais il y a aussi le prisme de lecture performance. Parfois, la nutrition, quand on veut vraiment aller au service de la performance, peut un peu être au détriment de la santé, malheureusement. C'est le choix que l'on doit faire parfois dans certaines disciplines dites extrêmes. Et enfin, si vous vous demandez qui nous accompagne aujourd'hui, la semaine dernière, c'était Deadpool. Aujourd'hui, il s'agit de Nappa, voilà, Nappa qui est propre à Dragon Ball. Vous le savez, j'ai Dragon Ball dans le sang, ou plutôt sur l'avant-bras, voilà. C'est comme ça, c'est mon côté grand enfant, j'ai l'air très sérieux, mais je suis encore un enfant dans mon cerveau. Yeah, buddy, here we go! What you say? Yeah, but extra bathroom. Let you go. Alright. I'll walk right down to two. Actually, let you go. Which one is when I'll make a right and just say it on make a right on that lot. And my white cheese. What about it? That's where it's going. I wonder. Turn that fan. Donc, premier repas de la journée. Donc là, il se prépare
des blancs d'œufs, on le voit, avec un arôme fromage, flavor cheese. Donc ça, c'est très intéressant déjà parce que vous le voyez, les arômes, les épices, les aromates, vous êtes très nombreux souvent à vous demander si vous pouvez en consommer lorsque vous voulez perdre du poids. Et bien, bien sûr que vous pouvez en consommer parce que dans les épices, dans les aromates, dans le sel, dans le poivre, vous avez toujours des vertus et des bénéfices, surtout dans les épices et les aromates. Le sel, vous le savez, je dis d'en consommer, mais bien sûr, il faut le faire avec modération, de manière intelligente. Mais tout ce qui est ensuite épices, aromates, vous avez plein de vertus et surtout, ça vous permet de varier les goûts, ça vous permet de manger bon, même des blancs d'œufs, voilà, ça va lui permettre, s'il aime le fromage, de mieux les manger, de préférer son repas et ça, c'est top. Donc, il se prépare des blancs d'œufs avec son fromage. Ensuite, il va se préparer des grits, donc en gros, c'est des flocons d'avoine. Je crois pas qu'on trouve de grits en France, mais beaucoup aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, je pense beaucoup plus. Je sais que personnellement, quand je vivais à Bangkok, il y en avait. Voilà, c'est de l'avoine, vous pouvez le préparer comme vous le voyez, ça fait un porridge. Et ensuite, il rajoute des tranches de cheddar dessus. Là, vous allez vous dire, bon, ça, c'est, on dirait du plastique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain, c'est des produits qui peuvent être transformés. Il faut pas oublier qu'on est sur un individu qui pèse 325 livres. J'ai fait la recherche avec Siri. Dis Siri, combien fait 325 livres en kilos? 147 kilos pour 1m76, il me semble, approximativement, avec une génétique en norme et la consommation de produits dopants qui vont changer beaucoup de choses au niveau du métabolisme. Et voilà, et de tout un tas de données physiologiques. Donc, il faut tenir compte de ça et que quand on a un tel volume calorique aussi, on peut se permettre des aliments un peu moins sains qui vont apporter facilement des calories et aussi du plaisir parce qu'on parle de gens qui font la diète toute l'année, pendant des années et des années, 20 ans peut-être de carrière. Donc, il faut prendre ça en compte et il faut pas juger de la même manière que si nous, on est un individu lambda, qu'on a beaucoup de poids à perdre, qu'avant, on mangeait de manière malsaine et on va vraiment se focaliser sur l'aspect santé. On est sur une autre donnée où malheureusement, la santé passe au second plan dans le bodybuilding de haut niveau, même si on fait le maximum pour le préserver. Vous vous doutez bien qu'en pesant de toute façon 147 kg pour 1m76, quand bien même 1m80, la santé passe forcément au second plan déjà sur ce plan-là, sur le niveau cardiaque, etc., etc., sans parler de tout le reste. Can I get 100 grams? Bon, déjà, quand tu prépares ton shaker, tu mets une scoop. Lui, là, mais à 6, là. 8. Il lui faut un pot de whey par jour. 8 scoops, il a mis. Et 8 scoops, c'est pas 8 scoops rases, c'est 8 scoops très bombés. This is my strawberry and chocolate. Donc là, repas 2, après l'entraînement. Donc là, il s'agit d'un shaker, comme il l'a dit, c'est son célèbre chocolat framboise mix. Donc, il met le Saint-Assis. Donc, il faut savoir que Ronnie, il était sponsorisé par BSN à cette époque-là, n'est-ce pas, Ronnie? Et le Saint-Assis, c'est un mélange. Donc, dedans, j'ai recherché parce que je me rappelais plus de cette marque. C'est vieux, d'ailleurs, je sais pas si BSN vend encore en France. Mais dedans, il y a un mélange de protéines. Donc, il y a de la whey, de la caséine, il y a de l'huile de tournesol et un peu de glucides aussi. Donc, il met, il me semble, 8 scoops et 8 scoops rases. Donc, elles font bien 30 grammes. Donc, 8 x 3, il y a 240 grammes, si mon calcul est bon. 240 grammes. Vous me direz si j'ai tort, j'espère que j'ai bien calculé. 240 grammes de poudre. Et il faut savoir que j'ai regardé, dans 47 grammes, il y a 22 grammes de protéines, 6 grammes de glucides, 6 grammes de graisse. Donc, là, si on a dit 240, faut faire x 5 quasiment. Ouais, x 5. Donc, il y a 110 grammes de protéines dans le shaker, 30 grammes de glucides et 30 grammes de lipides. Ça vous semble énorme parce que pour certains d'entre vous, notamment les filles, 110 grammes de protéines, c'est votre consommation sur une journée. Mais on parle d'un individu de 147 kilos. Pour arriver juste à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, il lui faut presque 300 grammes de protéines par jour. Et il est à plus. Les bodybuilders, surtout à l'époque, avec cette génétique, cette consommation de stéroïdes, consomment plus 4,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ce qui nous fait souvent 500-600 grammes de protéines par
par jour. Donc en fait, c'est un sixième de sa dose. Donc ça marche parce qu'il va faire sûrement 5-6 repas. C'est ce qui est coutume. Donc en fait, c'est normal. Et en plus, c'est après l'entraînement. Donc à cette époque-là, on est à fond sur la fenêtre anabolique. Tout de suite, vite prendre des protéines après l'entraînement. Donc voilà, on voit qu'il ajoute du Nesquik pour le goût. Donc ça rejoint ce que je disais avant sur les tranches de cheddar. Et vous le voyez, c'est assez drôle parce que cette notion de diète flexible avec 10% de flexibilité qui est très récente. On se dit maintenant très récemment qu'il y a ce besoin de plaisir dans l'alimentation et de pas toujours être sur riz, poulet. Et bien lui, il l'a déjà en avance aussi parce qu'il a la génétique, la possibilité de faire ça, il le sait. Mais aussi sûrement parce que c'est ce qui lui permet de tenir sur la durée, d'avoir ce petit plaisir, de pas juste boire sa protéine qui est peut-être pas fameuse au niveau du goût. Voilà, il rajoute 2 scoops de Nesquik. Et d'ailleurs, c'est ce que Olam boit tous les matins. Espérons qu'elle ait le même destin sportif que Ronnie, pas dans le bodybuilding. J'aimerais bien peut-être dans le karaté ou le judo, on verra. Si ça marche, si le Nesquik est le secret, merci Ronnie. Ok, donc repas 3, là ça a été dur à voir, c'est une vidéo qui est vieille, la qualité c'est pas fou. Donc là il va au restaurant, très intéressant, ça rejoint ce que j'ai dit les semaines précédentes. Je sais que certains d'entre vous, sûrement comme moi à une époque, regardent ces vidéos, préparent des compétitions de bodybuilding, de fitness, peu importe le sport, veulent en préparer peut-être à l'avenir, et se disent que pour ça il faut se mettre dans une bulle, dans une boîte complètement, ne pas aller au repas de famille sans son tupperware, ne pas aller au restaurant, etc. Je comprends cette vision et je la respecte parce que je l'ai eu, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions pour performer, premièrement, pour durer, deuxièmement, et ensuite pour avoir une approche saine vis-à-vis de sa discipline. Et ça me fait penser, vous savez, on est pendant les Jeux Olympiques, hein, on tourne en général le mercredi, jeudi pour le dimanche, donc là on est en plein dedans. Et hier soir, j'ai vu une athlète, il me semble, d'escrime, qui parlait du travail qu'elle avait fait avec son préparateur mental, je sais plus son nom, et qui expliquait que avant, justement, elle était toujours à compter les moindres calories, ne pas sortir, se mettre dans sa bulle pour préparer une compétition. Et pour ces Jeux Olympiques-là, elle l'a fait différemment. Elle a un peu plus de souplesse, aller au restaurant, sortir avec ses amis. Et elle a fait sa meilleure performance qu'elle n'ait jamais fait de tous les temps. Parce que justement, ça lui a permis d'être plus reposée mentalement, de vivre les choses différemment, sans doute avec plus de plaisir. Et c'est ce que je vous recommande. Bien sûr que le bodybuilding demande extrêmement de rigueur. Et le dernier mois, vous n'allez pas être là à manger un McDonald's et tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de trouver l'équilibre et la stabilité. On parle de Ronnie Coleman, le meilleur bodybuilder de tous les temps, selon moi, bien loin devant Schwarzenegger au niveau de la performance en termes de bodybuilding, il a toujours pas été égalé, en préparation, et il va au restaurant. Et qu'est-ce qu'il fait au restaurant? Il mange pas un hamburger, des frites et une glace. Il mange du maïs, des haricots rouges, de la pomme de terre, du riz et du poulet. C'est sain, c'est diète, c'est pas tout pesé, oui, mais ça va rentrer dans sa journée, il est hors saison, on entend qu'il est sûrement avec sa femme et ses enfants. Voilà, ça permet aussi d'avoir ce côté-là, plaisir, sortir de sa routine. Et c'est ce que je vous recommande honnêtement, même à ceux qui sont avec moi en suivi, je vous le dis souvent. La journée, l'alimentation, c'est un puzzle. Il s'agit d'être raisonnable et de jongler avec tout. Parce que vous n'allez pas pouvoir, pendant 10 ans, si vous voulez maintenir votre poids, votre condition performée, refuser les repas, refuser les sorties. C'est pas une vie, c'est pas possible, c'est pas tenable. Et vous allez malheureusement le regretter. Surtout que, comme Ronnie, vous ne faites pas ça malheureusement pour gagner 8 titres d'Olympia, rentrer dans la légende et faire en sorte que 25 ans après, un gars comme moi parle encore de vous et fait une vidéo sur vous et votre diète. Ça n'arrivera pas, malheureusement pour vous, et ça n'arrivera pas pour moi non plus, je vous rassure. Je serai jamais à ce niveau-là, loin de là, même si j'en aurais rêvé. Donc voilà, il faut bien le comprendre et relativiser les choses, et je pense que vous aurez plus de résultats comme ça, et surtout vous serez plus heureux, ce qui est tout de même la base. Ronnie, dis-moi, entre toi et moi là, tu m'avais bien dit que pour être balèze comme ça et gagner Olympia, t'avais suivi Fast Gains. Tu l'avais acheté sur... c'était quoi le site déjà? www.antowest.com. 49,90 pour 12 semaines. Et t'es balèze comme ça grâce à ça? Ok, merci. Allez, je vais l'acheter. A plus, Ronnie. Something like Lopez, Switch. Oh, Mama, I love you. And I'm thankful.
I just don't like to cook. I just don't like to do it. Yeah. Mm-hmm. Okay, good old chicken again, but with beef. Oh boy. Donc, repas numéro 4. Donc là, très intéressant, ça va me permettre d'aborder un sujet dont je voulais parler dans cette vidéo spécifiquement, c'est les protéines. Donc sur ce repas, on voit donc qu'il se fait du riz à l'autocuiseur. Bon, ça, pas de sujet. Vous le savez maintenant depuis que le temps que vous me suivez, la cuisson du riz, que ce soit 10 minutes, 15 minutes, etc. Effectivement, ça va modifier l'index glycémique. Oui, vous pouvez le mettre au frigo pour faire baisser l'index glycémique, etc. Mais en soi, c'est tellement infime sur l'impact final sur la glycémie compte tenu de ce que vous allez consommer avec, parce que je vous conseille toujours de consommer avec des protéines, des fibres, des légumes, des fruits par exemple, et bien ça ne fera pas une grande différence. Voilà, il est cuit à l'autocuiseur là, voilà, petite parenthèse sur ça. Ensuite, il va boire des boissons zéro. Donc là, c'est intéressant de voir que les boissons zéro, selon beaucoup, font grossir, déclenchent, ça fait des faux signaux, c'est des faux sucres. Voilà, toutes ces âneries que l'on entend qui ne sont basées sur rien, puisqu'on observe, même scientifiquement parlant, qu'il n'y a pas de montée de la glycémie lorsque l'on en consomme. Ces fameux faux messages, ces fameux faux sucres, ça n'existe pas. Quant à l'impact cancérigène des édulcorants, c'est très très discuté, parce que les seules études potentiellement favorables à ce niveau-là sont faites sur les rats, avec des doses qui, sur un rat, sont énormes, mais ramenées au poids du corps d'un homme, devraient être des litres et des litres de consommation de Coca Zéro, par exemple, bu par jour. Hein, on parle de 9-10 litres bu par jour pour que ça ait le même impact. Donc personne, je l'espère, ne boit ça. Bien sûr que les boissons zéro, aucune, ne doivent remplacer la consommation d'eau. Bien sûr que vous ne devez pas prendre l'habitude d'en boire systématiquement une bouteille par jour, mais il n'y a aucun problème à en boire de temps en temps, même pour moi, une petite canette de Coca Zéro chaque jour. Alors pas tous les jours de l'année, mais quand vous êtes au régime comme ça et que ça devient difficile, pour moi c'est très bien, je l'ai fait personnellement. En fin de sèche, je buvais un Coca Zéro tous les jours, une canette, surtout le soir pour calmer la faim. Sachez surtout que le Coca Light calme beaucoup plus la faim que le Coca Zéro. Testez, vous allez voir. Et ensuite, donc, on en vient à la consommation de protéines. Donc là, il prend du poulet rôti et en plus deux steaks Black Angus, donc une race de bœuf spécifique. Donc il doit bien avoir, je pense, 500 ou 600 grammes de viande, ce qui représente 110-120 grammes de protéines. Mais en fait, si vous regardez bien, il a ça à chaque repas. Parce que le premier repas, les blancs d'œufs, il y a une quantité folle. Le truc est rempli comme ça, le récipient... je perds tout mes mots. Le saladier où il met les blancs d'œufs est rempli à ras-bord. Donc voilà, c'est normal, on va avoir cette quantité de 4 grammes, 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pourquoi est-ce qu'il prend ces dosages-là? Et pourquoi est-ce que vous, dans votre cas, vous ne devez pas vous baser sur ça? Premièrement, il faut savoir que à l'époque, il y a 20-30 ans, les protéines, c'est au cœur du débat. C'est-à-dire que l'aliment numéro 1, le nutriment numéro 1, c'est les protéines. Et que dans l'esprit des bodybuilders, de tous ceux qui font de la musculation, pour prendre du muscle, le facteur numéro 1, c'est consommer suffisamment de protéines, et limite plus on en consomme mieux c'est. Ce qui n'est pas bête dans le raisonnement de base, puisque la protéine est au cœur du muscle, au cœur de notre physiologie, et elle compose tous nos organes, tous nos muscles. Voilà, les protéines, les briques que sont les acides aminés, vous le savez je pense, en tout cas je l'espère en suivant ces vidéos. Donc bien sûr qu'il faut consommer des protéines, et quand je dis pas protéines, c'est pas protéines en poudre, c'est toutes les protéines. Voilà, avoir une consommation suffisante. Maintenant, pourquoi cette consommation excessive? Parce que il est dans les mœurs, à la base pas scientifiquement, mais vraiment dans les mœurs, que la consommation de produits dopants et notamment de stéroïdes anabolisants augmente la synthèse des protéines. C'est-à-dire, pour faire simple, on peut théoriquement, dans l'esprit des bodybuilders, et je vais donner mon avis après, en prenant des produits dopants, des stéroïdes, de l'hormone de croissance, de l'insuline, etc., consommer beaucoup plus de protéines et les assimiler, contrairement au naturel, chez qui les protéines ne seraient pas assimilées à ce dosage-là, ce serait stocké en graisse, ça ferait un surplus calorique, etc., etc. Ce serait pas le cas pour les bodybuilders liés à cette consommation de produits dopants. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Eh bien,
En fait, en réalité, la science et le terrain tentent à prouver qu'effectivement, la consommation de produits dopants, certains produits dopants, et je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas encourager, là n'est pas le sujet, je ne ferai pas de contenu à ce niveau-là, comme je l'ai déjà dit, c'est un domaine dans lequel je ne veux plus du tout rentrer, je veux vraiment parler que de nutrition et surtout accès santé, eh bien cette consommation-là va effectivement tendre à synthétiser plus de protéines. Donc les bodybuilders ont raison, après est-ce qu'ils ont raison d'aller jusqu'à 4,5 grammes, 5 grammes, selon moi non, mais d'être plus vers les 3 grammes, 3,5 grammes, oui, surtout qu'il est aussi prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas de dommage pour les reins. Aucune étude scientifique n'a prouvé qu'une consommation excessive de protéines endommageait les reins ou la santé de manière générale. Oui, vous allez avoir plus d'acidité que vous pouvez parfaitement tamponner avec une consommation suffisante de fruits et de légumes, et je vais y venir dans cette vidéo à la fin, vous verrez pourquoi. Et vous pouvez aussi consommer, voilà, vous avez plein de manières de tamponner cette acidité, de la contrer et d'équilibrer. C'est aussi propre à chacun, à la capacité, parce que certains vont avoir des crises d'acidité à 4 grammes et d'autres n'auront rien, donc il y a aussi un facteur personnel, mais quoi qu'il arrive, voilà, ça peut être intéressant de le faire, et souvent on voit de meilleurs résultats à le faire. Est-ce que ça veut dire que je vous encourage? Non, parce que je ne vous encourage pas à consommer des produits dopants, ça s'arrête tout simplement là. Mais si vous faites ce choix là vous êtes grand, et bien effectivement c'est beaucoup plus intelligent d'augmenter sa consommation de protéines que de rester à 2 grammes, ça j'en suis sûr et certain. Et enfin, dernière chose, vous dites qu'est-ce qu'il met sur sa viande? Et bah, c'est sa célèbre sauce barbecue. Ronnie Coleman est connu pour consommer de la sauce barbecue. Ça fait partie de ces calories dont je vous parlais, hein, sur tout le total calorique qu'il consomme. Voilà, ce pourcentage-là de calories attribuées à des aliments qui effectivement ne sont pas forcément sains, pas intéressants au niveau de la santé, mais qui lui font plaisir. Et la sauce barbecue, il est célèbre pour ça. Bon, il va encore au restaurant. Bon, là, je mets quand même un bémol avec ce que j'ai dit avant. C'est Ronnie Coleman. Si vous allez au restaurant midi et soir, ça va peut-être être chaud quand même d'arriver à vos objectifs. Mais si vous avez la génétique et le métabolisme de Ronnie Coleman, je pense que vous pouvez même y aller 4-5 fois par jour. Ça me permet de faire une parenthèse. Juste, parfois, certains me disent c'est injuste parce qu'ils ont autour d'eux des gens qui, justement, vont manger n'importe quoi. Alors, ce qui n'est pas son cas. Mais ils vont manger n'importe quoi tout le temps dehors, vont boire, etc. Et vont avoir un physique que vous jugez bien, c'est-à-dire mince, par exemple, tracé, défini, et vous êtes en surpoids. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des facteurs individuels, hein. C'est ce que j'ai bien expliqué dans ma vidéo « Manger plus pour perdre plus de poids ». Beaucoup, suite à cette vidéo, ont réagi en disant « Mais moi, je dois être dans cette situation parce que j'ai évoqué mon cas », et ils s'y retrouvaient. Il faut bien comprendre qu'il y a des facteurs individuels, qu'on n'est absolument pas tous pareils. Bien sûr, on a, pour la plupart d'entre nous, la chance d'avoir 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, etc., et d'avoir un organisme qui fonctionne globalement de la même manière, mais ensuite dans le détail ce n'est pas le cas. Si on fait vous et moi tous des prises de sang, on n'aura pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous le même passif, on n'a pas tous le même quotidien et la même exposition au stress de manière générale, on n'a pas tous les mêmes journées au niveau du nombre de pas, des dépenses, ce qui influence énormément notre métabolisme et la façon dont on gère les choses. Donc voilà, en fonction de tous ces paramètres là et bien effectivement, à deux personnes égales, avec l'un avec une hygiène de vie déplorable et l'autre avec une très bonne hygiène de vie, l'un peut être en théorie physiquement bien et l'autre peut être en théorie physiquement pas bien selon vos critères, parce que chaque critère sont propres, et ça j'insiste, il ne s'agit pas de juger quelqu'un, ah, lui il est gros, lui il est mince, c'est vous comment vous vous sentez, hein, en tant qu'ancien anorexique je répète toujours ça, moi je ne juge jamais les gens sur ce à quoi ils veulent ressembler, parce que moi je suis constamment jugé, encore maintenant, ah elle a grossi, ah elle a maigri, ah si, ah ça, et je vous le dis, détachez-vous du regard des autres, on s'en fout, si vous vous, vous sentez bien, c'est la base. J'ai été anorexique, j'ai été bodybuilder, très massif, compétiteur, j'ai fait tout. Maintenant, j'ai relâché complètement le bodybuilding, etc. Je vous en parlerai sûrement dans un vlog. Et je me suis jamais senti aussi bien que maintenant parce que je suis détaché de ça. Il faut juste que vous, vous vous sentiez bien. Voilà, ne recherchez pas la perfection et le regard des autres tout le temps positif. Ça n'existe pas. Ceux qui vous aiment pas ne vous aimeront pas, que vous soyez mince, gros, comme vous voulez. Vous pouvez ressembler à qui vous voulez. S'ils vous aiment pas, ils trouveront toujours quelque chose. Donc voilà pour cette parenthèse et le pourquoi du comment. Il faut pas se comparer. Et donc, Ronnie Coleman, plus que n'importe qui d'autre, est une exception. Il n'aime pas les tomates. Il n'aime pas les tomates. Il a tout mis sur la table. Oh.
Oh, les enfants, ne faites pas ça. Ils trient les tomates et les mettent sur la table. Ne faites pas ça, les enfants. Si vous regardez ces vidéos avec les enfants, ne faites pas ça. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans la vie de tous les jours, je suis assez vulgaire. J'essaye de faire très attention parce que je me dis que peut-être certains d'entre vous regardent les épisodes avec les enfants. Ayant moi-même des enfants, je fais attention. En même temps, quel serveur va lui dire un truc? Tu fais 147 kilos comme lui, qu'est-ce qu'il va te dire, hein? Repas numéro 5, donc de nouveau au restaurant, comme je disais, riz, poulet, sauce barbecue. Et les seuls légumes de la journée pour l'instant qu'il aurait pu manger, il les a enlevés, il les a triés, il les a foutus sur la table. Il a dit j'aime pas les tomates. Voilà. Pourquoi aucun fruit et légumes? On va le voir, aucun de la journée. J'y reviendrai à la fin. Je vais vraiment conclure par ça pour que vous compreniez et vous assimiliez bien quelque chose. Et les lipides aussi. Volontairement, j'en parle pas. Même si j'ai fait un petit disclaimer au début sur le pourquoi du comment. Cette diète est très ancienne, je le rappelle. Ça a des années et des années, même si c'est un grand champion, voilà, mais je le rappelle. Donc là, bah, beaucoup de protéines à nouveau, même si j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de viande, mais bon, il n'en manque pas sur la journée. Du riz, bon, voilà, c'est au restaurant. Effectivement, il n'y a rien de calculé. Là, il est dans une période de prise de muscle, hein, à 147 kilos, je pense clairement, étant donné ce qu'il mange, c'est une période de prise de masse. Mais voilà, c'est intéressant tout de même de voir qu'il peut se permettre d'aller deux fois par jour au restaurant. En fait, ça vous montre vraiment ce sport. Malheureusement, je sais que certains vont s'offusquer parce que je dis ça à nouveau et ils veulent pas l'entendre parce que je comprends, ils sont pleins de rêves, il y a sûrement aussi beaucoup d'ego, mais ce sport du bodybuilding, plus selon moi que n'importe quel autre, est un sport de génétique. J'insiste vraiment, vous ne serez jamais un top bodybuilder, c'est-à-dire pour moi un professionnel qui gagne des compétitions pro, si vous n'avez pas la génétique. Voilà, c'est mon avis. Si vous n'avez pas la génétique, je conseille de laisser tomber. Pourquoi? Parce que vous allez laisser votre santé à ce niveau là je parle, hein. Après les catégories bikini etc, c'est différent, mais à ce niveau-là, vous allez vraiment y laisser votre santé. Vous le voyez souvent, certains me disent, par exemple, si on prend le cas de Morgan, que j'ai la chance de suivre, je suis très proche de lui, c'est le parrain de ma fille, il fait partie, c'est comme ma famille. Voilà, je le suis. Bah, Morgan, il y a 2 ans en arrière, il faisait pas de bodybuilding, il faisait du handball, il jouait au niveau national, en plus de faire de la muscu. Il a dit j'arrête le handball parce que son genou suivait plus au hand, voilà, les sauts, etc., sur les années, il en fait depuis tout jeune. Il s'est dit je vais me mettre au bodybuilding. Bah, en 2 ans, en 1 an déjà, il est capable d'être compétitif au top de Colmar sur la compétition qui est la plus dure en France, c'est-à-dire d'aller faire un top 10 et même un top 6, top 5, d'aller faire des top 3 dans des régionaux et dans des top 3 au NPC de Lille, et cette année de se dire bah, je vais aller retourner à NPC, essayer d'avoir une carte pro, ça veut pas dire qu'il va l'avoir en 2 ans. C'est ce que j'ai essayé de faire sur des années, et je n'aurais pas été capable et je n'aurais pas eu son niveau. Et oui, certains vont dire oui, les stéroïdes, etc. Je vous garantis que détrompez-vous, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous avez compris, mais c'est très loin de ce que vous imaginez. Quand on a, bien sûr, l'autodiscipline, la rigueur, mais quand on a la génétique et qu'on est fait pour un sport, pour une discipline, on le sait. On le sait tout de suite. Voilà, je peux vous prendre 1001 exemples. Teddy Riner au judo, Michael Phelps à la natation, Lionel Messi au foot. Bien sûr, s'il y a du travail, il y a plein de choses, mais il y a un talent inné et il y a une génétique qui fait qu'à un moment donné, voilà, on sait qu'on est fait pour ça ou pas. Et encore, Morgan n'a pas la génétique, je vous le dis, pour être un Mister Olympia, ni même un top 10 à Olympia. C'est encore autre chose. Là, on parle d'un autre univers. Mais pour moi, il est là pour aller être professionnel et faire des bonnes places dans les compétitions pro. Mais après, le top, c'est encore un autre univers. Et là, après, Ronnie Coleman, bah, on en a un pour moi par siècle. Est-ce qu'on n'en a pas encore eu d'autres? La preuve, à son plus haut niveau, pour moi, il exploserait tous les bodybuilders qui sont venus jusqu'à présent et qui ont été Mister Olympia de très loin, y compris Big Ramy, etc. Est-ce qu'on en reverra un? Je ne sais pas. Comme Michael Phelps en natation, comme Teddy Riner au judo. Voilà, il faut bien comprendre ça si vous voulez faire de la compétition pour, je pense, ne pas se perdre comme j'ai pu faire malheureusement au détriment parfois de la santé physique et surtout mentale. De nouveau, la protéine en poudre, comptons une scoop. Deux scoops. Le pot est presque vide, il l'a ouvert ce matin. 3 scoops. Ah, que 3 scoops. Oh. That was easy. I got everything here. Everything.
set up. Donc là, repas numéro 6, donc juste un checker, enfin juste un checker avec 3 doses, donc à peu près 90 grammes. Donc là, on calcule facilement, ça nous fait 44 grammes de protéines, 12 grammes de glucides, 12 grammes de lipides. Donc vous voyez, on ne doit pas être aux 6 grammes de protéines, 5 grammes, on est autour des 4 grammes de protéines, je pense, par kilo de poids de corps. C'est ce qui me semble plus logique et ce qui a le plus fait. Je crois que Cutler s'approchait des 5 grammes. Coleman doit être entre 4 et 5 grammes, voilà. Ce qui n'est pas choquant, je vous le dis, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, surtout à ce niveau là. Et ensuite, petit passage choc là, donc là on voit tout son pilulier avec énormément de compléments, de pilules. Donc ça, bien sûr, bah, les gens vont adorer parce qu'ils vont résumer toute la journée et tout le bodybuilding à ça. Bon, déjà bien sûr, il y a énormément de vitamines, de minéraux, de choses comme ça. Il y a d'autres choses dont on a parlé, c'est clair. Ça sert à rien de vous exciter dans les commentaires, on n'est pas bête. Personne ne fait 147 kilos pour 1m77 avec cette qualité musculaire là sans ça, même Ronnie Coleman. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, ce qu'on peut voir, on a parlé largement des protéines. Vous le voyez, les glucides ne sont pas absents. On a une très bonne dose de glucides, alors qu'elle n'est pas monumentale, contrairement à ce qu'on pourrait penser vis-à-vis de son poids. Elle est normale. Je ne saurais pas la quantifier à l'œil nu, comme ça, c'est difficile. Mais voilà, on a une bonne dose de riz avec les pommes de terre, les haricots rouges, l'avoine le matin, etc. Par contre, en lipides, en source de lipides intéressante, bah, on est faible. On a des lipides parce qu'il a consommé du Black Angus, du poulet rôti avec la peau. Il a mangé deux fois au restaurant. On voit bien que le riz, voilà, il est certainement fait avec de l'huile, peut-être avec du beurre, le poulet, etc. Donc on a des lipides. C'est pas absent de lipides. Mais pour son poids de corps de 147 kg et pour ce qu'il fait et les risques qu'il y a sur la santé cardiovasculaire à ce poids-là, avec cette consommation-là, bah, on pourrait faire bien mieux. Sans doute que Ronnie Coleman aurait pu être encore meilleur. Mais je mets un bémol, je n'en sais rien. Je dis sans doute parce que pour moi, bien sûr, cette alimentation-là, et ça paraît très prétentieux de ma part, quand je dis ça sur un tel champion, donc je mets des gros bémols et vous le prendrez comme vous voulez, mais c'est mon avis. Cette alimentation là pourrait être améliorée pour sa santé, premièrement. Bien sûr que je ne comprends pas comment il a un nutritionniste à cette époque qui s'appelle Chad Nichols. C'est pas lui qui décide. Bon, Chad Nichols, c'est pas connu pour être le préparateur le plus sain qui soit. Bien sûr, il a formé de très grands champions, mais je suis pas sûr que la nutrition en santé soit sa caractéristique principale. Et malheureusement, de toute façon, c'est pas ce que recherchent ces gars là. Ils recherchent à gagner des compétitions. Mais bien sûr, il aurait fallu ajouter des légumes, bien sûr, il aurait fallu ajouter des fruits, bien sûr, il aurait fallu ajouter des bonnes graisses, des sources d'oméga-3, etc. Vous vous en doutez, donc c'est le gros point noir de cette alimentation. Mais cette alimentation, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est pour la performance. Comment on peut la résumer? Bah, elle est très simpliste. Il y a juste ce qu'il lui faut, au moment où il lui faut, l'essentiel et rien de futile. Entre guillemets, la recherche, elle n'est pas sur la santé, la recherche, elle est juste sur avoir ce qu'il a besoin pour construire du muscle et pour être ce qu'il a été pendant autant d'années. Espérons que ça ne lui soit pas préjudiciable sur le long terme. Sans doute que maintenant il s'alimente différemment, sans doute qu'il y a des périodes peut-être il s'alimentait différemment. Mais voilà, je ne peux que mettre un très très gros warning. Si vous êtes un bodybuilder, soyez inspiré par Ronnie Coleman sur le mindset et sur ce qu'il a accompli, mais ne soyez pas inspiré par Ronnie Coleman sur la diète. N'essayez surtout pas de reproduire ce genre d'exemple sur l'alimentation. Alors bien sûr, manger du riz, du poulet, du steak et de l'avoine, si ça se résume qu'à ça, c'est bien, mais ne copiez pas. Voilà, ajoutez des légumes, des fruits, des bonnes graisses. Vous n'avez pas la génétique de Ronnie Coleman, donc ça vous aidera à compenser autant que possible ce déficit de génétique. Voilà, je trouvais ça très intéressant de parler de la diète de Ronnie Coleman, déjà parce que c'est une icône dans ce sport, et aussi parce que ça vous permet d'avoir un point de comparaison avec les dernières analyses de diète que j'ai faites de bodybuilders de très haut niveau, comme Théo Le Guerrier, comme Chris Bumstead. Vous voyez à quel point l'approche a évolué. Ils avaient beaucoup plus de lipides, en plus de sources intéressantes, des fruits, des légumes. Donc vous voyez, tout ce mindset là, il a changé, la nutrition, elle a évolué, elle a progressé, c'est plus sain, et tant mieux pour la performance et surtout pour la santé des athlètes que l'on aime suivre et soutenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous, n'hésitez pas à commenter, à proposer des noms pour les prochaines analyses de diète, et on se retrouve dès dimanche prochain, 18h, pour un nouvel épisode. À plus, bye bye.